américain dans Cité Sport, avec le Liberty Bowl, le premier tournoi international en France organisé par les Samouraïs de Villeurbanne. Le plus grand footballeur américain était là pour assurer un spectacle maximum. L'Amérique, quoi. La victoire et toujours la victoire. On ne parle que de victoire au football américain, on ne parle jamais de défaite. Et il y a encore tout un côté psychologique sur le terrain lui-même, avec des cris de groupe, des cris véritablement de guerre, pour se préparer psychologiquement à la bataille qui se livre sur le terrain. Yeah!
L'équipe d'attaque qui rentre sur le terrain, donc qui est en position du ballon, a le droit à 4 tentatives pour parcourir 10 yards, ce qui fait environ 9,15 m en mesure française. 4 tentatives, c'est-à-dire qu'ils ont le droit et d'avancer avec une passe en avance, qui est la différence fondamentale avec le rugby, ou avec des courses latérales, ce qui ressemble justement à ce sport du ballon ovale. Des tactiques, on l'a dit, il y a environ 50 tactiques pour une équipe d'attaque, une trentaine de tactiques pour une équipe de défense. Toutes ces tactiques sont connues sur le bout des doigts par chaque joueur. Et quand on arrive par exemple au huddle, ce qu'on appelle le conseil de guerre justement, c'est une abréviation d'un mot d'ailleurs indien. Tous les joueurs reçoivent une annonce du capitaine et chaque joueur sait en 25 secondes ce qu'il a à faire réellement sur le terrain. J'aime le football. C'est mon cœur, c'est mon première chose qu'il y a à faire. Et pourquoi le basketball alors? Well, c'est une chose bizarre. Quand je joue le foot américain, je casse trois côtes. Et mon mère me dit, Kenny, c'est fini avec le foot. Donc je commence à jouer le basket.